travaille depuis 2003, ça fait donc quasiment 15 ans. Aujourd'hui, je dois à la fois faire profiter de mon expérience, ça fait longtemps que je travaille dans l'horlogerie, et d'amener aussi toutes sortes de réflexions, parce que j'adore innover et chercher des nouvelles solutions. Je dirais que ça doit être fait de plusieurs choses, c'est-à-dire du respect un peu des traditions, mais surtout d'interroger constamment les faits. Je pense qu'il faut à la fois mélanger un respect pour le travail qui a été fait avant, parce qu'il y a beaucoup de gens très compétents qui ont travaillé pendant des centaines d'années en tout, et en même temps pas avoir peur, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris ce que ces gens ont fait et pourquoi, donc c'est à partir de là qu'on doit avancer et trouver des nouvelles et meilleures solutions. Une entité. Peut-être dans le même complexe, on va trouver des gens du développement, des gens de la technique, de la production, des gens de la communication. Et tout ça est très cohérent.